le pont est quand même imbibé de gasoil, donc il faut pas fumer là. Voilà, on vient de partir. Je crois qu'on va avoir du mal à m'entendre. Parce qu'en fait, j'ai les machines juste derrière moi. Et ça va être ça pendant 3 jours. De temps en temps, il y a les amis, il y a nos amis les Blattes qui viennent nous rendre visite. 3 jours comme ça sur un bateau. À mon avis, c'est ça le périple. Était extrême pour dormir cette nuit. La chaleur, le bruit, c'est pas des matelas mais ce sont des planches. Le bateau a bougé, ça encore, ça nous donnait plus envie de dormir. Il est 6h du matin, je crois que la journée va être longue. Dure nuit, hein? Ah, dure nuit, ouais. Bye. Okay, Rosé. Bye. Si on n'a pas fini notre abri, ça nous fera une bonne protection provisoire, voire à long terme, selon le temps qu'on met. On a une jolie vue sur l'océan. Première nuit est passée, c'était un peu difficile, on n'est pas encore bien préparé, le camp n'est pas encore monté.
Bon, ben après avoir fait le tour de l'île, donc 2 heures après, eh ben, bilan, c'est qu'on a pu finalement trouver que quelques crabes. Et heureusement, ben, en attendant, c'est un peu l'apéro, quoi. On a toujours de la copra. Déjà ça. Bon ben voilà, je viens de finir mon piège sonore pour le crabe des cocotiers là. Je vais vous faire voir un petit peu ça là. Voilà. Bon, c'est assez simple hein. Donc on a une noix de coconut avec la copra en milieu, un petit fil de pêche avec une bouteille en verre que j'ai trouvé là. Donc le tout c'est que ça fasse du bruit là quand le crabe va sortir. Il va prendre la coconut, il va essayer de partir avec. Et la bouteille fera du bruit. Vu que en général ils sortent vers minuit, 1h du matin, la nuit ça fait du bruit. Ce serait son petit repère. Donc voilà, avec le bord de cocotier, là, toujours au pied. Là. Donc il prend les noix de coco et il les amène ici, là, il les débourre. Puis après il déguste le blanc, là, ce qu'on appelle la copra. Là. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à attendre cette nuit et on verra bien si le piège fonctionne. Oh Pascal, comment elle a été cette nuit avec cette mini tempête? Très bonne, très bonne. D'ailleurs, à ma tête, ça se voit. Hein. Bien dormi, comme un bébé, pas de soucis. Nickel. Quoi. Et ce crabe? Ouais, ce crabe, je suis parti après cette nuit, mais il a pris mon appât, mais je l'ai raté. Quoi. Je me suis levé 2 fois cette nuit et 2 fois je l'ai manqué. Donc aujourd'hui, je vais piéger différemment et demain matin, je vais l'avoir pour mon petit déjeuner parce qu'il me manque. Voilà. Ouais, j'espère que tu partageras ton petit déjeuner avec moi. Bien sûr, c'est un petit déjeuner en commun. Quand je dis petit déjeuner, c'est pas le mien, c'est notre petit déjeuner que j'ai manqué. Pas de chance. Bon ben, juste pour dire que... Le soleil revient. Ça fait 4 jours qu'on n'en avait pas vu, donc... Vitamine D, ça va nous faire du bien. Voilà. C'est difficile, mais ça l'est encore plus sans le soleil. Allez, on y retourne au quotidien. On va chasser le bon repas. Chasse, pêche et survie. Allez, c'est parti. Voilà, oh, notre beau crabe, notre prise de ce matin. On est content parce que c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Chaud. Voilà notre panier du jour. Ah ouais, la coire s'épuise. Hein. Ouais. Donc là, on est content. Alors ici, c'est notre coin favori pour la pêche parce que je vais vous montrer. En fait, c'est une plage à sable blanc. Il n'y a pas de roche. Donc lorsqu'on harponne, la plupart du temps, on tape sur la roche, on tord nos pointes et c'est pas top parce qu'on n'a pas ce qu'il faut ici pour réparer. Donc ici c'est vraiment un coin de l'île, on est carrément au sud, sud-ouest, à la pointe, c'est quand même assez, c'est pas mal. Voilà, je crois que ce qu'on attend depuis bientôt 2 semaines va arriver. On en déduit qu'il devrait pleuvoir peut-être dans 1 heure ou 2 quoi. En tout cas on prie pour ça.
Alors s'il y a vraiment un truc qui est pas difficile à trouver, c'est la noix de coco mûre. Donc là, ce qu'on va manger nous, c'est la copra. C'est le fruit donc. Et ça c'est top parce qu'en fait il n'y a qu'à se baisser quoi. 1, 2, 3. Et voilà. Et c'est comme ça dans toute l'île. Donc au moins le matin au petit déjeuner et dans la journée quand on a besoin de force, on a toujours ça. Alors je voulais montrer ça, c'est un déchet en plastique comme malheureusement beaucoup. Celui-là il a été attaqué maintes et maintes fois par des requins de petite taille, moyenne taille. Et c'est un peu ce qui se passe ici. C'est que le requin il règne en maître tout autour de l'île. Et donc on a du mal à faire d'autres poissons parce que chaque fois qu'on va essayer d'appâter mettre un appât pour choper un poisson. Là il arrive les requins. Et eux ils se jettent la gueule ouverte. La preuve. On a trouvé du fil de téléphone. Donc j'ai fabriqué des bas de ligne. Ce qui devrait normalement tenir ce coup-ci. Bon, je vais aller vérifier. Voilà notre beau feu. Ça va Coco? Voilà notre futur coucher de soleil qui est en train de se préparer. On vous filmera tout à l'heure nos assiettes dernier modèle. Ah ouais, elle va être pleine. Hein. Ouais. Ça va faire peur. Hein. Surtout le format de l'assiette, c'est pas mal. Surtout le fond là, on va bien le voir. Qu'est-ce que t'as à dire? Surprise. Incroyablement surpris du déroulement des choses. J'aurais pensé que... Mais je pensais pas à la base. Les autres pensaient pour nous et ils nous ont dit des tas de choses. Finalement, quand on est arrivé ici, chaque jour, celui-là est difficile, mais demain ça ira mieux. Celui-là il est encore plus difficile, mais demain ça ira encore mieux. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que... Merde. On est à la fin, quoi. 3 jours. Plus que 3 jours. Dans 3 jours on vient le récupérer si je le veux. J'espère qu'il n'y aura pas une tempête, un truc comme ça, parce que maintenant on a fait ce qu'on avait à faire, on a prouvé qu'on pouvait vivre grâce à la nature. On a vécu grâce à notre mère nourricière. Maintenant il est temps d'aller retrouver les nôtres, nos familles et notre petite tribu. Ça c'est bien dit. Mosé. 37e jour. On a maigri un peu, moi. Oh là là.